Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je recommence cette vidéo encore et encore et encore parce que je n'arrivais plus à... Il faut que je vous explique ça. Ça, c'est un truc à moi, hein. C'est que je suis nulle avec les technologies. On peut faire des vidéos qui sont directement avec l'application YouTube, ce qui fait qu'on peut retourner l'écran et moi avec mon téléphone, parce que sinon il faut filmer juste avec son téléphone, hein, ou avec son équipement. Moi, en l'occurrence, c'est avec le téléphone. Et... Quand je filmais avec mon téléphone, je ne pouvais pas retourner l'écran, ce qui fait que j'étais un peu embêtée. Enfin, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc là, ça y est, j'ai trouvé comment faire un peu et j'espère juste que je m'en rappellerai pour la prochaine vidéo. Parce que sinon, c'était trop, trop, trop compliqué. Donc, je me présente quand même. Hein. Je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Et je vais vous faire des vidéos sur les catalogues octobre. Parce que pour celles qui arrivent, donc déjà je vous fais un grand bisou et un grand merci. Je voudrais essayer d'arriver à faire l'armoire bébé. Essayer d'acheter le moins possible de tout ce qui est textile, tout ce qui va être... en fait, essayer de coudre un maximum de ce qui est à ma portée. C'est... Parce que j'ai juste envie. C'est pas une histoire éthique, une histoire ci, une histoire ça. Non, non, c'est vraiment une envie personnelle que j'ai envie, c'est vraiment de lui faire son armoire. Donc j'ai déjà fait les pyjamas, les 1 mois, 3 mois, les body 1 mois, 3 mois. Et là, j'aimerais bien arriver à lui faire quand même quelques vêtements autres que des pyjamas et des body. Bien que je vise salopette combinaison. Parce que je n'en ai pas vraiment tenu, mais bon, j'ai plein de petites idées qui pourraient être sympas, et du coup, voilà. Donc, j'avais besoin de catalogues pour avoir des patrons, et j'avais besoin de patrons que je trouve faciles à coudre. Donc, il existe plusieurs méthodes, hein. C'est soit vous allez sur YouTube, d'ailleurs, il y en a plein, il y a plein de marques aussi qui font leurs propres patrons. Moi, j'aime énormément, j'affectionne en fait énormément les catalogues au top parce que je les trouve faciles à faire. C'est vraiment c'est un catalogue que j'aime bien. J'aime moins par exemple Burda, alors qu'ils font aussi des catalogues enfants, ce qui fait vraiment que ça soit enfant, enfin un bébé quoi. Ce qu'il faut. Il faut que je vous explique. Pour moi, dans mon petit cerveau des bisounours, en gros, quand j'achetais un catalogue, s'il y a 30 modèles, il y en a moins 15 bébés quoi. Non! Non, ça c'est dans le monde des bisounours. C'est vraiment, vraiment, vraiment. En fait, non, parce qu'il y a bébé-fille, bébé-garçon. Il y a jeune enfant-fille, jeune enfant-garçon. Ado-fille, ado-garçon. Donc vous avez 6 genres différents de tenues. Et en moyenne, il y a, je sais pas combien de patrons il y a, je vais vous dire. Je crois que c'est une trentaine. Hein. Il y en a quand même pas mal, 32, 33, oui, il y en a vraiment pas mal. Il y en a 40. Dans celui-là, il y a 40 modèles, mais il y a quand même 6 genres différents. Donc, moi là, aujourd'hui, en fait, je vais vous les présenter deux par deux, parce que j'en ai commandé 10, sachant qu'il y en a un que j'ai reçu en double. Et c'est... Faites attention, parce que moi, vraiment, je me suis fait avoir. Sur les catalogues octobre, vous avez deux entrées, on va dire, vous avez deux petites images qui sont très 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 sympas. Sauf que quand vous les commandez, il faut faire attention à ce qu'ils ne le séparent pas en deux. Donc en fait, si vous cochez cette image-là et cette image-là, ça vous fera acheter deux catalogues pour un seul et en fait, vous recevrez le même en double. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Ok, j'étais pas très très ravie. Donc sur les 10, il n'y en a qu'un seul. Heureusement que j'ai reçu en double parce que c'est quand même des catalogues qui ne sont pas donnés. C'est à 11,35 €, parce que, en plus c'est un très ancien que j'ai commandé, donc de 2014, de mars 2014. Donc il y a de quoi râler, n'est-ce pas? Et là, c'est... Enfin, il y a quand même des avantages à commander chez eux, c'est-à-dire qu'ils livrent extrêmement vite. Quand je vous dis extrêmement vite, c'est extrêmement vite. J'ai commandé lundi, j'ai reçu la marchandise mercredi, sachant que lundi, c'était lundi soir que j'ai commandé. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 vite. Par contre, si vous avez un problème, comme là... Et ben c'est simple, j'ai envoyé, je m'en suis aperçue à la facturation parce que c'était pas marqué avant, hein, donc j'ai quand même envoyé par mail les preuves de facture d'écran, comme quoi ben, c'était pas indiqué avant, que c'était les mêmes catalogues. Et donc j'ai envoyé le mail le lundi, ça a été, j'ai reçu le mail d'expédition le mardi et j'ai reçu la marchandise le mercredi. Quand j'ai reçu la marchandise, genre 2 heures après, j'ai reçu un mail comme quoi le colis est déjà expédié. J'ai pas eu d'explication, j'ai pas eu de solution non plus.
Voilà. Contrariant, hein, n'est-ce pas? Contrariant. Mais j'ai beaucoup râlé dessus, X fois, j'ai râlé dessus tout le week-end en fait. Parce que ça m'a vraiment embêtée. Bah, je l'offrirai parce que j'ai des copines qui courent aussi, donc c'est pas réellement le souci. Mais le souci qu'il y a, c'est que c'est. Moi, je voulais du catalogue pour moi. Voilà. Pas pour offrir, pas pour. Parce qu'après, on se les prête en fait, les catalogues. Donc c'était un peu bête. Puis c'est surtout que l'erreur, elle vient pas. Enfin, s'il faut que je contrôle les références, c'est on va où, quoi. Enfin, ça m'a énormément déçue. Ça ne veut pas dire que je ne recommanderais pas chez eux. Par contre, si je recommande, il va falloir que je fasse extrêmement attention parce que ça m'a contrariée, très contrariée. Et après, bien entendu, je me suis dit, enfin, mon papa m'a gentiment fait remarquer qu'il existait des presses, quoi. Et que ça évitait d'en acheter 300, et que c'était pas plus mal, et que voilà, il a raison. Que ce système-là de retour, ben je m'en serais forcément aperçue, hein, que c'était sur le même catalogue, parce que je l'aurais dans les mains. Donc les prochains, peut-être que j'irai dans les presses, mais je suis pas habituée en fait à y aller. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être une habitude à prendre, un petit plaisir à s'offrir, je sais pas. Mais c'est vrai que de. Moi, je ne suis pas du tout habituée. Je ne suis pas sûre que les personnes de ma génération y soient spécialement habituées. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des abonnements, qu'il y avait. Enfin, en fait, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions qui s'offrent à vous si vous voulez faire autrement. Donc voilà, c'est vraiment à savoir. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Cette fois, je pourrais échanger, enfin inverser, comment est-ce qu'on dit? Retourner, pardon. Retourner l'écran pour vous les faire voir, parce qu'on va les feuilleter ensemble et je vous ferai voir, moi, ceux qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que je vais les faire tout de suite, mais c'est. Ah si, il va falloir que je les fasse quand même, pas trop tard. Donc je vais vous présenter le plus ancien, c'est celui-là. Et celui-ci, je vous présenterai après. Donc c'est celui-là. Celui-là. C'est le mars 2014. Et je vous retourne tout de suite. Oh, j'espère juste que ça ne va pas vous secouer quand même premier. Alors attendez. Hop. Voilà. C'est ce modèle-là, exactement. Alors, si on tourne, ça fait ça. Donc là, c'est le blablatage. Et vous voyez bien au niveau des tailles, je me demande même s'il faudrait pas que. Parce que moi, du coup, je bouge, mais vous aussi, vous allez finir par bouger. Il faudrait pas que je prenne genre appuyé comme ça. Ouais, ça va, ça ira mieux, vous bougerez peut-être un peu moins. Donc là, vous voyez, c'est de 96 à 140 cm. Donc je dirais que c'est taille ado ou enfant. Ado ou enfant. Alors. Là. Vous voyez, il y a bébé 96, 98. Ouais, c'est jeune enfant, donc ça doit être 4 ans ou un truc comme ça. 98, oui, c'est 4 ans. Donc vous voyez, ça déjà pour moi, c'est un peu tard. Enfin, ça sera pour plus tard. Enfin, là, c'est les petites filles, mais en gros, vous avez aussi ce modèle-là. Il y a beaucoup plus de modèles filles que garçons. Hein. Attendez-vous aussi. Hop. Et là, franchement, c'est des modèles que je sais que je coudrais, que je couserai, pardon, plus tard. Parce que franchement, je trouve ça très très joli, très très sympa. Si vous êtes invité à un mariage, alors peut-être pas sur ces coloris-là, hein, mais vous voyez, c'est une petite chemise, on en a toujours besoin. Des pantalons qui sont bien, bien élastiqués à l'arrière, on voit bien. Hein. Là, même là, on voit bien que c'est bien élastiqué, ça peut être vachement sympa. Et pourtant, c'est un très ancien modèle. Le modèle ado de celui-là. Alors ça, moi, je suis pas fan, mais alors, vous voyez comme ça, c'est à partir de 2 ans. Donc c'est vachement sympa, de 98 cm à 134, donc c'est 4 ans même. C'est 4 ans à 12 ans. Donc pareil, les salopettes, c'est vachement sympa. Petite fille. Hop. Ce short-là, c'est un short mixte. Vous voyez, vous l'avez sur la fille et sur le garçon. C'est pareil, c'est à partir de 2 ans. Le short, c'est à partir de 2 ans et le haut à partir de 4 ans. Le petit Marcel. Vachement sympa, hein, vous voyez, mais là, c'est vraiment pour plus grand. Hein. Là, moi, j'ai encore le temps de les faire. Et en fait, là, vous voyez, vous avez le niveau de difficulté. Donc, tout ce qui est un point, c'est très facile. Tout ce qui est 2 points, c'est-à-dire que c'est le niveau moyen. Et tout ce qui est 3 points, est-ce que j'en vois un 3 points? Là. Un 3 points, c'est niveau très difficile. En gros, il le différencie comme ça. Quand vraiment c'est
entre les deux, vous avez un point qui est vide à côté, qui n'est pas rempli en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les bébés. Donc un coussin à l'avant, un coussin à l'arrière, c'est que ça change complètement. Vous avez aussi des explications qui sont vachement précieuses, hein, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Les tailles. Moi, je ferai ce modèle-là. Donc ça, c'est le modèle été, c'est ça? Ouais. C'est modèle été 2014. Donc, moi, je ferai ce pantalon-là. Vous voyez, c'est pas le même que pour la petite fille. Hein. Ce petit pantacourt-là. Alors, moi, ça, par contre, ça me choque. Vous voyez, c'est vraiment... les rainures sont pas dans le bon sens. Et du coup, je trouve pas ça très joli. Et le t-shirt en basique. Bien entendu, on met les couleurs qu'on veut. Hein. Mais ça, cette réflexion-là, dites-vous bien que, franchement, ils le font vachement souvent. Et du coup, ça me perturbe. Vous avez la petite barboteuse. Donc, c'est en court, en short court. Je trouve ça vachement bien, en fait. Mais en court, je suis pas sûre que ça soit super, que ça soit l'idéal. Donc, c'est à partir de 3 ans, d'ailleurs. De 3 ans, 3 mois, pardon. Moi, je pense que je rallongerai peut-être. La salopette pour l'été. Avec le t-shirt basique. Donc ça, c'est tout à partir de 3 mois. Donc c'est vachement sympa. Donc là, vous voyez, mine de rien, j'ai 1, 2, 3 modèles. 3, 4, 5 en petit garçon. 6. Et ça, c'est le même que tout à l'heure. Non, c'est pas le même. Attendez, c'est le niveau. C'est le 2. Si, c'est le même que celui-là, vous voyez. Donc en tout, j'ai 6 modèles. Et là, le petit body en manche courte. Alors, c'est un body qui n'est pas ouvert en haut. Vous voyez bien, il n'est pas du tout ouvert en haut. Il est vraiment ouvert qu'en bas. Donc là, c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous voyez les rayures. Pourquoi ils ont mis des rayures à la place des fesses? Ah, ça fait bizarre. On est bien d'accord que ça fait bizarre. Non? Oui, il n'y a que moi qui ça choque. Et ça, voilà. Ça, c'est pour les petites filles. Donc, les 3 autres modèles, en fait, qui sont vraiment très, très, très sympas. Et après, on tombe sur de l'ado grand. Ça, je trouve ça super chouette. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. Et après, c'est de l'ado grand. Donc, ce modèle-là, qui est été 2014, qui est vachement sympa. Et le deuxième, c'est celui-là. Hop. En octobre 2014. Donc, c'est automne. Le mars, avril 2014. Donc à 11,35€, à savoir, c'est parce que c'est un ancien modèle qu'il est soldé, loin de là. Hein. Attendez-vous-y, parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu baissés, mais alors pas du tout. Sur leur site octobre, ils en ont qui sont baissés sur des anciens modèles, mais pas où est-ce que je me suis servi. D'ailleurs, je ne vous dirai pas où est-ce que je me suis servi, parce que du coup, j'ai été contrariée. Alors que normalement, je marque bien, mais franchement, on les trouve de partout. Hein. Ça, c'est tous les modèles. En gros, il y aura 5 modèles adaptés à mon petit bébinou. Ça, c'est tout plus grand. Ce modèle-là, la combinaison, c'est à partir de 2 ans. Donc ça, je prévois, mais plus tard. Ou le blouson. Alors, à l'heure actuelle, vu que je débute en couture, moi, je ne m'en sens pas capable de faire les blousons. Et vous voyez, pourtant, il y en a plein, plein, plein. Plus tard, si je m'en sens capable, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, je ne m'en sens absolument pas capable. Alors que je trouve ça super chouette. Voilà les deux premiers modèles que je peux faire. Donc vous avez toujours le body qui s'ouvre à l'avant. En haut, en manche longue, parce que là, on est sur un modèle automne. Et le pantalon en jean, tout élastiqué. Donc ça, c'est un modèle que je prévois de faire à partir de 3 mois, pas avant. Hein. 3 ou 6 mois, où je verrai. Enfin, 3 mois, ça me paraît bien. On a la combi pilote, où là, c'est pareil, j'ai envie d'essayer. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'en suis capable? Je ne sais pas, parce que c'est niveau 2 sur 2, donc c'est niveau moyen. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie, hein, parce que c'est qu'un molleton. Donc je me dis, je devrais être capable, en théorie. Hein, je sais pas, je sais pas du tout. Mais lui, franchement, il me tente beaucoup. Le sweat classique avec la capuche, qui me paraît fortement sympa. Les enfants, souvent, les bonnets, ils ont du mal. Donc, avec une capuche, ça peut être vachement bien. Et le leggings molleton. J'ai lu le patron. Hein. C'est du molleton qui est vachement sympa. Et après, on rentre dans les modèles petite fille, leggings, t-shirt et la petite robe qui est vachement sympa. Vous voyez, c'est vraiment très, très mignon. Donc là, c'est vraiment petite fille. Donc moi, je ne suis pas du tout concernée. Mais voyez, concrètement, sur un catalogue, j'ai 3, 4, 5. Je peux faire que 5 tenues pour mon enfant
Donc, mine de rien, une tenue complète, hein, parce qu'il y a un body, deux pantalons, un pull. J'ai pas de t-shirt. Non, il n'a pas le droit de mettre de t-shirt. Il aura son bolet qui servira de t-shirt. Body, un pantalon, un pull et une combinaison. Donc, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal complet. Mais c'est. Voilà. Je mettrai un petit t-shirt, ah, n'est-ce pas? En gros, vous avez tout ça comme choix. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a 39, 40. Il y a 40 modèles. Donc, c'est pas mal. Et voyez, au niveau des difficultés, c'est marqué là. Si c'est un point, ça veut dire que c'est très facile. Si c'est deux points, ça veut dire que c'est niveau moyen à difficile. Et si c'est trois points, ça veut dire, attention, préparez-vous à pleurer, c'est niveau difficile. J'en avais essayé un niveau 3 points. Je l'ai abandonné assez facilement. Hein. Je vous cache pas que... Voilà. Niveau 2 points, j'y arrive. Enfin, il me faut du temps, ce qu'il y a des étapes qu'il faut que je renlève, que je remette, que je renlève, etc. Mais globalement, j'y arrive. Donc déjà, voilà, il y en a 5 patrons que je peux utiliser là-dedans. Donc 5 sur 11,35 €. En gros, on a un peu plus de 2 €, un peu moins de 3 € le patron. Et au niveau des formats, par contre, voilà, c'est la guerre ouverte hein, sur les patrons. Hein. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Ces patrons-là, je les aime pas trop parce qu'on a un peu tendance à se perdre. En fait, il faut vraiment prendre son temps de les tracer, parce qu'ils sont très, très durs. Heureusement qu'ils changent au niveau des couleurs. Hein. Mais c'est... Voilà. Après, c'est aussi peut-être qu'est-ce qui justifie le prix. Hein. Allez, je vais essayer de vous réinverser. Oh, vous avez vu, j'ai une tablette de chocolat. Je suis très, très gourmande et... Ces temps-ci, j'ai envie de chocolat, mais pas d'en manger 2 tonnes. Hein. C'est vraiment manger le mini carreau. Alors qu'habituellement, je mange une tablette. Hein. C'est manger le mini carreau, mais le laisser fondre dans la bouche. Et... J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, c'est les deux catalogues octobre 2014. Donc il y a un été, un automne. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils en font par an. Réellement, je ne sais pas. Je trouve que c'est assez universel en fait comme modèle. Il n'y a pas de vraiment typé qui fait vraiment ancien. Et je crois que c'est tout ce que j'aurais à dire sur les patrons. J'ai regardé au niveau des... donc c'est... Au niveau de la répartition, c'est toujours à peu près ça. C'est entre 3 et 5 patrons, on va dire, par genré, par taille, ouais, par bébé, enfant ou ado. Et c'est déjà bien, honnêtement, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, et c'est vachement bien expliqué. Ils expliquent aussi au niveau des matières, le choix qu'on peut avoir sur les matières, et puis au pire, il reste plus qu'à se lancer, voir si c'est faisable, si c'est gérable ou pas. Honnêtement, je me suis marqué sur un papier combien est-ce que de combi pilote est-ce que je peux avoir par partie, en fait, avec manche, sans manche, etc. De combinaison aussi, de body, etc. Et honnêtement, on voit qu'au fil du temps, ça se répète beaucoup. C'est pas exactement les mêmes modèles, mais ça se répète énormément. Les body, au total, donc quand même sur 10 catalogues, ce que j'ai fait de mon cahier, de mon bloc-notes, parce que du coup, j'ai noté combien de patrons est-ce que j'avais qui pouvaient m'intéresser. Pour savoir s'il m'en manquait des affaires. Alors, c'est là. Et au total, ouh, je suis partie bien loin. Au total, sur les bodys, il y en a. Bah là, en fait, vous avez vu celui de 2014. Vous en avez vu un par catalogue. Après, il y en a un autre en 2016, un autre en 2019 et deux autres en 2020. Donc, mine de rien, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités de bodys sur les. Bah, sur. 9 catalogues au final. Donc vous voyez, il y a vraiment du choix. Ça a un peu tendance à se répéter, c'est pas exactement les mêmes. Il n'y en a pas un seul que c'est exactement les mêmes. Il modifie toujours un peu quelque chose, mais globalement, un body, voilà, ça reste plus ou moins un body. Donc voilà. Je vous fais à tous des très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vais essayer de vous les faire, de vous faire un peu des catalogues, des présentations de catalogues que je présenterai les lundis et les vidéos Cousette les mercredis. Voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Et j'espère avoir été assez claire au niveau des biais, de l'explication des biais. Je me rappelle plus. Normalement, oui, mais bon, ne sait-on jamais. C'est pareil là au niveau des catalogues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!